Et bonjour, ici Sébastien. J'espère que vous allez bien. Nouvelle présentation aujourd'hui. Je vous parle de la mini-série Catch 22, une mini-série qui est réalisée en partie et produite par George Clooney. C'est distribué par Paramount. On peut se la procurer en magasin ici en format DVD à partir du 19 novembre 2019. Donc, c'est une mini-série satirique sur la Deuxième Guerre mondiale. On suit les mésaventures d'une escadrille aérienne de l'armée américaine dans l'Italie de la Seconde Guerre mondiale. On suit principalement Yo Saryan, qui est interprété par Christopher Abbott, qui est un bombardier qui a vraiment une peur bleue de ne pas revenir d'une de ses missions. Donc, c'est toujours très effrayant pour lui. Mais dans un sens, il y a la bureaucratie qui est même dans un sens un ennemi pour lui, parce qu'il existe une loi, un article qu'on appelle l'article 22, qui est une règle militaire qui stipule que si vous partez en mission aérienne, mais c'est parce qu'on est, on est fou. Donc, on pourrait, dans un sens, demander une exemption pour ne pas aller en mission. Par contre, si on demande une exemption pour ne pas y aller, c'est qu'on est sain d'esprit, donc c'est un genre de cercle vicieux, et on joue beaucoup sur cette situation-là. Je ne l'ai pas vu, c'est suite en lisant un petit peu sur cette mini-série que j'en déduis que c'est ça, évidemment. Donc, une critique va venir plus tard pour pouvoir en parler davantage. Donc, je vais vous montrer un peu plus près la pochette. Voilà. Donc, on voit l'acteur principal. On retrouve également le reste des personnages secondaires au sein de la série. On peut voir que George Clooney a un petit rôle dans cette mini-série-là. On peut le voir ici. On retrouve quelques images également des différents épisodes. Voilà. Donc, ça c'est pour les informations qu'on voyait à l'arrière de la pochette, mais je vais quand même vous le déballer, je vais vous donner plus de détails bientôt. Voilà, donc, et voilà. Donc, ici, c'est pratiquement pareil que sur la pochette cartonnée. Au niveau des informations qu'on retrouve, on a, oui, une piste sonore en anglais 5.1, français 5.1 également, ainsi qu'une piste anglaise DVS stéréo. On a des sous-titres en anglais et en français. La mini-série est d'une durée de 4h27min. Et c'est sur un ensemble de deux disques en DVD. Comme supplément, on retrouve Les Rouages de la guerre, première partie, qui s'intitule C'est un attrape-nigaud. On a également une deuxième partie qui s'intitule Qu'il est complexe, ce complexe militaro-industriel. Et la troisième partie s'appelle Yo Saryan est vivant. On a également des scènes supprimées et des prises ratées pour compléter les suppléments. Donc, c'est l'information qu'on retrouve à l'arrière de la pochette. À l'intérieur, on a bien sûr, je vais déplacer comme il faut, les deux disques DVD, soit le premier et le deuxième, avec également une image de l'acteur principal. Et de l'autre côté, en arrière du second DVD, on a l'information sur les différents épisodes de cette mini-série. Donc, si vous recherchez une mini-série satirique dans l'univers de la guerre, lors de la Seconde Guerre mondiale, bien, je vous invite à vous procurer la mini-série Catch 22, qui est ici en format DVD, qu'on peut se procurer en magasin à partir du 19 novembre 2019 et qui est distribuée par Paramount. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi, est-ce que vous aimez ce genre de mini-série satirique? N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!